Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, un bon dimanche. On est dimanche aujourd'hui et le 10 décembre 2023 avec les vlogs de Linda au magasin Action de Stein. Donc ça sera une vidéo en fait un peu de tout, je vous montrerai un petit peu de tout. Voilà, pour se faire plaisir, pour voir les arrivages, les nouveautés. On a ce joli coffret avec des perles en plusieurs coloris en fait. On a du rose, de l'argenté, du blanc nacré, etc., etc. Avec tout ce qu'il faut à l'intérieur en fait, les accessoires qu'il faut à l'intérieur pour réaliser des bracelets, des colliers, etc. 3 euros le coffret. Il y a plusieurs coloris hein, dans les verts, dans les bleus, rouge, rose, violet, etc. En bleu, etc. Voilà. C'est plutôt sympa hein, tout ça hein, pour offrir. Ici, ils ont mis des petits coffrets, c'est rayons de loisirs créatifs pour enfants. Ils ont mis ici des petits coffrets avec des bijoux pour les enfants. Regardez, là, c'est licorne, un petit diadème en doré. Il y a même des bagues. Là, c'est des bagues, par exemple. Là aussi, c'est des petites bagues avec un petit chat noir, la petite fleur, le cœur, le petit nœud pailleté. 1,69€ le petit coffret en forme de tête de chat. On a aussi le cœur, étoile, voilà. Et arc-en-ciel. Hein. Et le nœud. Oups. Le petit nœud qui est très très sympa avec des petites bagues. C'est mignon quand même. Hein. Très très mignon. Ici, ils ont mis en fait en nouveauté, côté loisirs créatifs pour enfants, un joli coffret en fait avec compartiment. C'est une boîte en plastique compartimentée avec des élastiques. Et on a, c'est en fait un accessoire pour faire des bracelets tressés. Alors, ça coûte 6,95€. On a 4800 pièces. Qu'on a tous ces accessoires-là qui sont fournis avec des perles et tout. Et là, c'est des élastiques. En fait, c'est à vous de créer votre élastique en fait, à offrir avec les copines, les amis. Il y a des pendentifs aussi qui sont à l'intérieur. Franchement, c'est très intéressant, je trouve. Voilà. C'est sympa, hein. 6,95€. Ils ont mis hein, toujours le côté loisirs créatifs où on peut retrouver les livres et les histoires, etc. Il y a ça aussi, c'est un petit carnet en forme de personnage comme ça, figurine. On a ça, la licorne. Et à l'intérieur, il y a plusieurs personnages. Hein. Je peux pas tout vous montrer, mais il y a pas mal de choix. À l'intérieur, on a en fait des feuilles blanches. C'est pour faire du dessin, tout simplement. Voilà, c'est des feuilles blanches, on peut l'accrocher et tout. C'est 99 centimes. Là, je vais vous montrer des choses que je n'ai pas l'habitude de montrer tous les jours. En fait, on va un petit peu faire le tour du magasin. Il y a cette petite couverture. Hein. Ça, c'est pas mal pour les bébés, pour la poussette. Hein. On a bleu, blanc et du rose aussi. Ça coûte 4,95€. 75 par 100 centimètres. Hein. Côté alimentaire, il y a du nouveau, nouvelles chips. Donc là, c'est au sel noir, hein. Chips sel noir. Ça doit être une marque connue, ça. Je ne connais pas du tout, mais ça m'a l'air d'être pas mal. Le packaging, il est vraiment de la qualité. Donc, il en a 100 grammes ici, sel noir et 1,39€. On a aussi le deuxième paquet. C'est un paquet blanc comme ça. C'est du sel de mer. Chips sel de mer. Nouvelle barre céréalée, granola et... ici, on a vanille fleur. C'est 3 barres de 23 grammes. 45, je pense que c'est ça. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ce prix-là. En tout cas, c'est une nouveauté, ça. Et ces barres-là. Donc là, c'est pistache et noix de cajou. Non, c'est pas pistache. Noix de cajou et graines. C'est vegan. Hein. On a 3 barres, 1,59€. Là, c'est avec de la noisette, barre noisette, 3 barres de 30 grammes. Et là, c'est 1,119€, c'est pas la même marque. Ça, c'est 1,119€. Donc, on a noisette, ou bien celle-ci, graines de tournesol et noix de cajou. Ça, c'est pas pareil, ça, c'est un autre modèle. On a ici caramel, 1,59€. Ça, c'est barre vegan caramel. Gâteau au citron. Ça a au goût de gâteau au citron, je pense. Jamais goûté. Et on a celui-ci aussi. On finit avec le rayon gourmandise, les gourmands. On a aussi cette boîte qui est arrivée. Chocolat noir, chocolat au lait. C'est des cigares comme ça, en fait.
Là, c'est à la coco. Et là, cacao, simple. Voilà. Franchement, la coco, ça me parle. À la coco, ça me parle, les amis. Et ça coûte normalement 99 centimes. Voilà, à la coco. Franchement, je... Regardez ce qui est marqué derrière. C'est halal, apparemment. C'est... avec du colorant naturel. 130 grammes. Allez, je décide de goûter. On verra. Je vous sers comme de cobaye pour vous dire si c'est bon ou pas. Côté salle de bain, je vous ai montré l'autre jour qu'il y avait ça. Et je vous ai dit que j'espère qu'il y aura la suite. Oui, effectivement, on a la suite qui est arrivée en force. Donc, c'est une gamme de produits pour la vaisselle. On a ce porte-savon, c'est du bambou, c'est très très joli. 1,62€. Le gobelet, 1,99€, il est assez grand. Et le distributeur qui est arrivé aussi. 2,49€. Il est beau, hein. Donc là, c'est du plastique. Voilà. Voilà. Hop. Là, je vais faire une petite photo, là. Et je vous montre en même temps comment ça rend, en fait. Un petit ensemble comme ça, sur un petit plateau, bien dans la salle de bain. Je trouve ça joli. Après, il faut aimer le... Si vous aimez ce style de déco, côté bois, bambou... Alors, on a l'arrivée, le retour de ces tasses avec imprimé floral. Donc là, on n'a que les tasses pour l'instant, n'est-ce pas? On n'a que les tasses, donc on a ces couleurs-là. Je vous montre un par un. Hein. Regardez bien. Ça, c'est bon, j'ai entendu. Non, moi, j'ai... Mais là, j'ai... Je pense qu'il n'y a que ceux-là, donc j'ai essayé de vous montrer tous les modèles. Voilà, très sympa si vous aimez ce style de vaisselle avec des fleurs. Donc ça passe que au lave-vaisselle, sinon le reste non, que au lave-vaisselle. Il y a un petit doré, liseré doré là, sur le dessus. Alors, je vous ai déjà partagé une vidéo aujourd'hui, on est dimanche, donc c'est ouvert une demi-journée ici. Il y a d'autres magasins qui sont ouverts toute la journée, par exemple comme Saint-Denis toute la journée, Garges-lès-Gonesse toute la journée, Sarcelles toute la journée, Bobigny toute la journée, mais ici, comme c'est un centre à l'intérieur, c'est un petit centre commercial, donc petit, hein. Il y a Carrefour et tout. Donc là, c'est fermé, ça ferme à 13h30. Voilà, sinon les autres magasins qui sont à l'extérieur, comme par exemple la Garges-lès-Gonesse, c'est ouvert toute la journée. Ici, dimanche, chez nous, en Île-de-France. Je sais qu'ailleurs, c'est fermé. Voilà, j'espère que ça va changer. Les shopinettes, ça fait mal au cœur des fois quand je reçois vos messages. Dimanche, c'est fermé chez nous et tout. Franchement, j'espère qu'ils vont changer parce que des personnes qui travaillent toute la semaine, ils ont que le samedi, dimanche pour faire leurs courses, pour faire leur tour et tout. Donc vraiment, j'espère que ça va changer au moins une demi-journée. Hein. Alors, Action, si tu m'entends, n'hésite pas à ouvrir une demi-journée ailleurs, s'il te plaît, pour mes choupinettes. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, n'hésitez pas à voir la vidéo, la première vidéo que j'ai postée. En fait, j'ai posté deux ce matin. Donc, il y avait des pépites. Hein. Il y a vraiment des pépites, des bocaux, etc. Magnifique. N'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai postée. Il y avait des petites pépites en nouveauté, franchement, à tomber. Des pots à provisions, plein de choses. La vaisselle et tout. Donc n'hésitez pas à la voir. Gros bisous et bonne journée, bon dimanche à tous.